Yo, aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose que je veux faire depuis très très longtemps. Vous savez que cette S13 a des petits soucis depuis que je l'ai acheté. Son embrayage, il est toasté. Dès que je commence à appuyer sur l'accélérateur, l'embrayage glisse. C'est comme si je mettais point neutre quand j'accélère. Ça fait quand même bizarre quand tu accélères. Aujourd'hui on va la réparer. Pas chez moi. La principale raison de pourquoi ça a pris du temps, c'est pas simplement le temps qu'il m'a fallu pour avoir les pièces ou le temps qu'il m'a fallu pour bouger mon cul, non. Malheureusement, c'est parce qu'il y a très peu de personnes qui peuvent réparer la S13. Les réparations, l'embrayage, ça va. Mais les cylindres blocs, c'est des cylindres blocs vraiment chiants à remplacer. C'est pour ça, énormément de garage, quand je leur ai dit « Voulez-vous réparer les cylindres blocs ?» Ils ont dit « non !» J'ai fait « Ok !» Donc voilà, aujourd'hui on se dirige vers quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va m'aider avec un ami à lui. Pour remplacer l'embrayage, les cylindres blocs. En tout cas, elle démarre bien. Voilà, elle est en train de chauffer. Et vous voyez par exemple ici que ça, c'est un autre problème que j'ai. C'est en gros le thermostat. Donc en fait, le thermostat, il est toujours ouvert à fond. Et du coup, j'ai toujours un énorme refroidissement. Ce qui est pas bon quand la voiture simplement n'est pas chaude. Donc c'est pour ça que j'ai aussi un thermostat. On va changer. Bon, eh bien bonjour. Salut. Salut Aurélien, bon, on se connaît déjà nous, tu as la magnifique E36 cab et la magnifique E36 turbo en chantier. Bonjour, on va se serrer à main parce qu'on se connaît déjà. Salut. Vas-y, présente-toi. Donc Nicolas, 23 ans, mécanicien de profession, et là pour filer un coup de main. Voilà, super. Donc déjà Aurélien, tu t'y connais très bien en méca, eh bien il s'y connaît encore plus, yes. Bon vas-y, faisons un petit tour vite fait. Alors, qu'est-ce que tu prévois de faire sur ton moteur, sur ta voiture, déjà... Elle va partir pour faire l'arceau. Ah oui, putain. C'est vrai qu'elle est un peu dans cet état-là. Ouais. Ah la vache, on dirait une caisse de Daigo Saito. Donc voilà, on va faire tout ça au propre, après la peinture, tout ça. Nouveau siège, etc. Tu m'avais dit que tu voulais aussi mettre des ailes élargies, je crois. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire, ouais. Avec un nouveau kit. Ouais. Comme ça, tu vas pouvoir rabaisser, avoir un peu plus de squat, je pense. C'est ça, ouais. Parce que tu prévois de mettre une grosse puissance, de ce que j'ai compris. Tu m'avais dit 550. Ouais, environ. Ah, c'est quand même ça, hein. Et du coup, ton bloc, il est forgé, là? Ah ouais, il est forgé. Donc on a un bloc forgé devant nous. Ouais. Donc t'as quoi? T'as piston. Biel aussi, voilà. Coussinet. Ouais, tout. Le vilebrequin, j'imagine non, parce que c'est... Il est neuf. Enfin, il est neuf. Il a été rectifié. C'est un vilebrequin du M54B30. Ah oui. Ouais, ça t'augmente la cylindrée. Ah donc oui, t'as stroqué en plus. C'est ça, voilà. Donc t'es en 3 litres là. C'est ça. Ah oui, à la place de 2,5 litres. Donc c'est les internes complets du M54B30. Ok. Forgé. Ah, c'est beau. La cab est toujours aussi belle. Toujours aussi propre. Du coup, voilà, vous avez un. Je veux dire magnifique garage, parce que c'est beau, c'est grand, c'est spacieux. Ouais, du coup, les pièces qu'on va installer, c'est pas de l'origine, mais c'est pas de la merde. Voilà, ça, c'est le disque d'embrayage. On va juste remplacer le disque. La plaque de pression, elle est censée être en bon état. Ça, c'est les cylindres blocs qu'on va remplacer. Du coup, ça vient de chez Driftwork. Ça, c'est le volant moteur qu'on va mettre, volant moteur allégé. Et du coup, l'embrayage là, c'est un embrayage à patins qui est renforcé, comme ça. Embrayage renforcé, volant moteur allégé, ça va faire du bien à ma S13 et en plus en daily, bah, c'est pas trop mal, ça permet que ce soit plus réactif. Ça c'est des vis ARP, ça permet de, on va dire, d'avoir un bon maintien, ça fait plaisir que ça se décroche pas quoi. Joli volant moteur. Oui. Ça c'est les axes avec les rondelles. Ah c'est stylé. Non hein. Oh, c'est bien. Le VM. Ça mon gars. Ça va être bien. Mon gars. Oh. Yes. On va le dégraisser là. Ouais, c'est ça exprès, pas qu'il... Pour éviter qu'il roule, l'impureté, tout ça. Ouais. Au transport. Donc. Belle usinage, je trouve. Ah, ils l'ont gueulé. Oui. Ah bah Driftworks, ils font pas de la merde, hein. Ouais. C'est de la frappe, ça. Et vous, hein. Oh la vache, t'as le grip que tu vas avoir avec ça. Bah c'est la particularité des embrayages patins, je crois, de... Ouais, que ce soit du... patinage. Bon après, ça va, il est un petit peu amorti, donc... Ouf, ça fuit un peu, là, non? Ouais. C'est que normal. Beaucoup de kilomètres, tu vois. 151 000. Ouais. On va dire que c'est potable pour une voiture de quasiment 30 ans. Ah oui. Ça doit être un truc, c'est que tu pousses comme ça, qui sort. Ouais, je crois que c'est un arbre de transmission en deux pièces. Mais pour une vitesse, je sais pas comment il va. Bah, à mon avis. Peut-être tu vas venir avec comme non, ça. Non, à mon avis, tu vas t'as des vis là. Ici, là et là. Elle est moins chiant que la BM en tout cas. C'est une espèce de goupille de merde. Ouais. Là, il y a le démarreur, je vois le démarreur. Ouais, bah, t'as une vis là. Bah, en fait, non, elles vont pas nous faire chier parce que t'en as une qui est là-haut. Du coup, ouais, c'est les gars que tu veux changer de. De cylindre bloc.
Ah, c'est ceux du train. Bah ouais, je crois. Ce qu'on m'a dit le garagiste qui a fait le check-up, il a dit c'est les plus chiants à changer. Voilà. Bah oui, il faut déposer tout le train. Ouais. Et même si je dis pas de conneries. Il manque de cylindres. Les cylindres qui sont pas morts, faut prendre le moteur sur la gueule quoi. C'est pas qu'on déboîte le truc derrière et puis que la poudrine fasse un 190 avec sur la gueule. Un backflip. C'est déjà arrivé en plus avant. Ça? Ah la vache. Mais par chance les blocs BM ils peuvent pas tomber, en fait ils bloquent ici derrière contre la paroi en fait. Ouais, ça te fait très bizarre quand tu déboîtes le truc, t'as le moteur qui descend un peu. C'est quoi l'ordre pour démonter? Faut d'abord enlever ça. Ouais, on va enlever ça. Ouais. Après on va avoir démonté le support, l'arbre. D'accord. Après les vis qui sont tout autour. Le truc premier qu'on va faire, on va dégager tout le tour de la boîte. Ouais. Et quand tout ce qui touche à la boîte et tout ça s'est enlevé, on s'attaquera au contour de boîte, on garde. D'accord. Après on la sort, l'embrayage il est dedans, on change. Voilà. Et on le moteur pareil. Ah, toi, tu l'as. Ah, t'as de la chance. Comme ça, il n'y a pas besoin de repurger tout le système. Bogus. Il y a le faisceau à enlever aussi. Il y a un faisceau qui va à la boîte. Ouais. Ouais, t'as souvent des capteurs de recul. Ouais, capteurs de marche arrière. Ah oui. Je sais pas si mes capteurs de vitesse sont peut-être plus sur le pont là. Le truc là, normalement, il faut le démonter ici. Si ça vient pas assez, il faut le démonter encore plus loin. Faut l'enlever là. Bah, on va le démonter ici. Ouais. Voir. Ça, c'est le support de l'arbre de transmission, c'est ça? Non, je pense que c'est juste un renfort. Voilà, un renfort, ouais. D'accord. Donc c'est quoi, t'es en train de dévisser? C'est un support? Ouais, c'est un support. En fait, je vais faire un peu de place pour accéder au démarreur, puis comme ça fait partie du contour de boîte, bah... D'accord. Au moins, c'est déjà fait, les dévissages. Là, le pont ouvert, comme il est où? Il fait une roue qui tourne. T'es histoire de savoir, le mythe du dégrippant qu'il faut laisser agir, c'est vrai? Oui. D'accord. Combien de temps? Le plus longtemps possible. Après, tout dépend de comment t'es pressé. Ouais. Si t'es très pressé, bah 5 minutes. Si t'es pas pressé, une journée, deux journées. Ah ouais, carrément. T'as des bougies de préchauffage sur un TDI. Tu blindes de dégrippant pendant 3 semaines. Quoi? Ah ouais, faut blinder de dégrippant parce que t'as un risque de casser les trucs. Puis après, faut déposer la culasse. Ah ouais, là, nos sur essence. Oui, non, ça t'a pas. Donc, le mythe du dégrippant qu'il faut laisser agir, c'est vrai. D'accord. Moi, ça fait plaisir d'entendre un mécanicien de profession. Au moins, il y a des certitudes. Je me souviens d'un truc. Je crois qu'on avait fait des tandems une fois à Marville sous la pluie. Oui, c'est possible. Tu me suivais en compact noir, je crois. Oui, c'est ça. Je me souviens qu'à un moment j'ai spin et je me suis dit putain, je suis dans la merde. Et me semble-t-il que c'est pas passé loin. Je me souviens, c'était à l'époque où ma E36 elle était en. Elle avait encore des combinés de chine à l'avant, genre. Ouh, nice. Tu veux voir, ça ressemble à quoi à l'intérieur? C'est un axe du coup, enfin c'est... Non. C'est... Ah ouais, non, c'est genre, c'est rempli en fait. Ah, l'arbre, il est creux lui. Hein. Ouais, l'arbre par contre, lui. Non, la connerie, c'est creux, ouais. Oui, il est creux. Vas-y. Attention sur les yeux. Ouais. Prêt? Pas sûr que ça sorte, hein. Voilà. Ouais, ah, ça va. Ça, théoriquement, c'est l'île de boîte. Hein. Ah bah celui, il est dans la boîte. Oui, lui, il est dans la boîte. Là, ça coule peut-être pas, mais à mon avis, quand on va descendre la boîte, mon gars, ça va couler. Tu crois? Oui, donc, c'est possible. Chose intelligente. On va vidanger. Non, c'est bon, ça vient. Ah, il est tout prêt. Bah oui, on l'a vidangé en septembre, c'est pour ça. Pas de limaille, c'est cool. Ah, je l'ai enlevé ouais. En septembre. C'est quoi? Bah, tu vois, t'en as pas depuis. Je veux que ça va. Ouais. Ah, j'aime pas ce genre de bruit. C'est parce que c'est grippé, c'est ça? Non, c'est bien serré. D'accord. Ah, ouais, donc c'est vraiment, vraiment serré, ça. Ouais, parce qu'après, une fois qu'elle a fait le bruit, là, elle se desserre bien, donc c'est pas grippé, rien. C'était pour desserrer encore une vis de boîte ou c'était pour autre chose? Ouais, c'est le démarreur là. Ah, c'est le démarreur, ok. Ça passe ou... C'est la deuxième vis. Vas-y, là, je suis bien dedans. Hein. Vas-y, tranquille. Vas-y. Impec, c'est bon, il est sorti. Ça va, du coup, les vis sont en plutôt bon état? Ouais, les vis. Ouais. Du coup, de ce que Aurélien m'a dit, c'est pas grippé? Non. Ça, c'est bien ça. C'est une bonne nouvelle, ouais. Donc là, t'as des petites vis de boîte. Ça c'est deux vis du récepteur, ça c'est deux vis du haut de la boîte, ça c'est deux vis qui vont sur le côté droit de la voiture. Ok. Deux vis du support. Et toutes les vis de boîte sont aussi longues que ça? Pas toutes. En fait, ça dépend, t'as des longueurs, t'as des... Ça c'est une vis de démarreur. Ta boîte, donc qui doit faire ça. Hmm? Ton épaisseur du bloc moteur, plus ce qu'il faut pour le démarreur. C'est quoi, c'est le kit de frein ça? Ouais.
tu auras le droit de le remplacer parce qu'il est... De base, je voulais, tu vois. Ouais. Mais je voulais pas faire de la merde, genre. Je voulais pas les mal purger et laisser des bulles d'air. Ah oui, d'accord, ok. Parce ouais. que je suis pas trop fort dans le purgeage ouais, de liquide ouais. de frein. Autant les vidanges, ça va. Ouais, ouais, c'est bon. Mais le liquide de frein, j'ai pas envie de faire de la merde et que quand j'appuie, j'ai. Ah bah j'ai plus de frein. Ouais, ouais. Non, mais au pire, si Aurel il est chaud, on fera peut-être une purge de frein. Parce que là, il y en a plus du coup. Bah si, mais sans l'odeur qu'il a. Oh, vache! Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est. Aurel, t'as du liquide de frein neuf? Ah ouais, le Buzzcut, ouais. Ouais, si, c'est du neuf. Tiens, sans l'odeur que ça. Eh, c'est différent. Ouais, bah sans. C'est t'as senti le rejet, la gerbe qui est montée là. Déjà que les S13 phase 1 sont réputés pour ne pas freiner. Ouais. Genre, t'y vas en mode kamikaze. En plus, avec du liquide de frein de merde, yes, la base. Ah, t'enlèves le pommeau? Ouais. Pionnier à cassette. Oh la vache. Oh putain, ils sont dans un. Hey, Aurel. Oui. Viens voir. Nissan, ils sont dans un monde à part, mon gars, je te jure. Tu fais que t'aurais mieux. Regarde. T'as ça, ok. Depuis tout à l'heure, je dis putain, tu sais, je tire dessus, t'as les câbles derrière, tu sais. J'ai dit merde, comment ça s'enlève. Ah, mais ça, c'est pour faciliter le vol. Ouais, non, mais attends. Regarde comment ils sont dans un autre monde. Ah, ouais. T'as déjà les branchements et tout. Ça va. Tu peux piquer ouais. le poste, mais si t'as pas la branche. T'as les branchements dedans. Ah ouais. On va faire comme ça. Tac. Hop là. Yes. Et le pommeau, ils sont allés froid, le pommeau, lui. Bah, le pommeau, j'ai essayé de le tourner, de le tirer et tout. Mais... Ouais. Bah, sinon, ouais. Sinon, tant pis, hein, il va sortir, hein, Aurel. Vous savez, vous avez déposé la boîte. Ouais. Oh. Bon, attention les dents. Hein. Non, ouais. Oui. Moi, ce que je voulais, c'était descendre ici et après tirer la boîte derrière. C'est pas moteur. Après, je sais que quand je démarre, le moteur bouge pas trop. Donc, c'est peut-être qu'ils sont pas morts, mais. Ah, ils sont pas morts, c'est sûr. Ça. Ah, oui, c'est sûr et certain, ils sont même en bon état. D'accord. Oh, ça s'enlève plutôt bien. Hein. Ouais. Oh, ça y est, voilà, c'est... La vache. Il s'est passé quoi? C'est pas la gueule de soufflé qui est passé. Merde. Ah, il faut enlever, il n'y a pas le choix. Tu vois quelque chose toi Aurel? Bam! Fais voir! Ouais, tu vois. Donc quand tu changes de short shifter, tu changes tout ça? Ouais, tu changes tout le manche, ouais. D'accord. Ouais. Ça, c'est l'ancien turbo d'Aurélien qui va remplacer. Il le remplace par un All 7 en twin scroll. Tu m'avais dit HX40 pour le nouveau. Ouais. Déjà qu'il est gros, alors le nouveau. Putain. Bâche. Mais c'est pire que le mien! Tiens, mais l'entrée de bâtard! En V-bande. Vas-y, descends. Voilà! Okay. Ah! Oh la vache! Et du coup, les engrenages ils sont là? Ouais, ouais ça tu les verras pas. Ok, mais on les voit pas, il y a une paroi quoi. Bah, vu qu'elle doit être dedans. Elle est où? Non. Ça en fait, ça appuie sur ton. Ah, c'est différent de la 36. T'appuies sur ta pédale, bah, tu connais le principe quoi. Ouais, c'est. Enfin, c'est. Ouais. C'est pour qu'elle aille dedans, genre. Ouais, c'est ça que ça pousse. Mmh. Elle est encore chaude. Elle peut le temps de refroidir. Ah, c'est ces vis-là qu'on va remplacer. Ouais. Ah, déposer tout ce qui est là. Tac. Sortir le mécanisme, le disque. Ouais. Et le volant moteur. Et une fois que le volant moteur sera sorti, on mettra le nouveau. Pousser dans l'inverse, tout remonter. Ah, mon gars. J'ai hâte de voir. Ouais. On va être sidéré par l'état du. Comment? L'embrayage. Du disque. Ouais, à mon avis, possible. Ça va être ça. Ou alors, c'est le volant moteur qui est voilé, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça, ouais. Si ton embrayage il a chauffé, ton volant moteur, de toute manière, dans tous les cas, en fait, il a légèrement vrillé. D'accord. Donc les deux ont pris cher, quoi. Ouais, allez, c'est parti! Yes. Oh putain! Il rongeait le bordel. Ça va, du côté là ça va, ça mais va, du ouais. côté là ouais, il est rongé de chez rongé. Le problème qu'on a, ton lit maintenant. Ouais, c'est que le mécanisme il est mort. C'est que ça, tu l'as pas, tu vois, il est mort. Par contre, ton volant moteur, bizarrement, il est pas trop bouffé. En fait, c'est les rivets là qui ouais, ont défoncé rivets, le mécanisme. Je sais même pas comment on fait pour rouler ta voiture. Issou. Alors, ça va, il est pas trop défoncé? Non, ça va, mais je pense que tu peux comparer les deux poids. Après, t'as ton joint de couvre-culasse qui fuit. Non, le joint de culasse, en fait, il est là. Et t'as le joint qui est au-dessus, puis en fait, je pense que c'est lui qui te fait ça. Là. Pourtant, quand j'ai acheté la voiture, il y avait zéro fuite. Hein. Ouais. Et on l'a laissé une heure. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment une fuite, c'est plus du soin. Ouais, c'est un soin. D'accord, ok. C'est pas très grave. Ouais, au moins deux fois. Au moins deux fois, putain la vache. Ah ouais.
Et donc ce qui est là, c'est la sortie Villebrequin, hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est une partie de ton Villebrequin. D'accord. Dans les embrayages, t'as des stries comme ça pour évacuer la poussière vers l'extérieur. Mais en fait, là, celui-là, il y en a pas. Lisse de chez lisse. Je pense que tu faisais un hook de démarrage un peu fort et c'est bon, t'avais ton truc, tu pouvais changer aussi le volant moteur. Mais bon, ça fait chier, j'aurais préféré que ce soit le volant moteur que le truc là parce qu'on change. Bah oui, parce que ça, c'est le seul truc que j'ai pas. Ah, c'est bien, c'est la première entre guillemets amélioration de la S13. Mais bon, tu sais que pour la 36, c'était exactement la même chose. La première amélioration que j'ai faite, c'était l'embrayage et volant moteur parce que ben il était cramé. Et de toute façon, c'est comme ça que ça marche en sport auto, on est d'accord. Quand t'as un truc qui casse, quand tu remplaces, tu dis quitte à remplacer. Autant mettre mieux. Après, pour la route, bon, je me suis dit que c'est quand même un bon atout pour la route. Ça permet d'avoir une voiture plus réactive et parfois on a besoin de réagir très vite sur la route. Ah ouais, c'est pas bête ça. T'es sûr que ça m'aime pas dedans ça? Non. Je fais. T'as mis combien? 70. Faut pas en. Putain. Je crois que ça fait 90 nm. Exactement. Oh, 95. Ouais. 95, ouais, c'est quand même pas mal. C'est quasiment le coupe des roues quoi. Ah ouais. En fait, quand tu fais, c'est toujours l'inverse. Ouais, pour que ça serre bien dans tous les sens. Croisé. C'est ça. Et vous dégraissez avec quoi du coup? De l'emprunt. Ouais. D'accord. Ça, c'est bien dégraissé. Ouais, nickel. Bon, du coup, puisque c'est assez rare que le mécanisme d'embrayage soit flingué au niveau d'ici, j'avais pas prévu ça, donc je pense que ce disque, je vais juste le revendre simplement et prendre un embrayage excédé. Je vais le commander, puis on l'installera dans 2-3 jours. Du coup, les gars, on attaque le train arrière. C'est... ça va être marrant. Parce qu'il faut détacher le train en entier. C'est possible, comme d'hab. Peut-être qu'en mettant du dégrippant maintenant, ça pourrait... Ouais, on va les brosser bien comme il faut. Mettre une bonne dose de dégrippant. Enlever les câbles de frein à main, les durées de frein. Oh la vache! On enlève les roues ou pas du coup? Ouais. Ça, c'est un truc que je peux faire, c'est dans mes cordes. Ah, c'est mieux pour drifter. Le petit truc là. Le petit truc pas du tout large. Ouais, ça c'est peut-être pas bon. Ça se voit que les combinés ils ont un peu d'âge quoi. Je vous préviens, j'ai eu un défaut au contrôle technique. Apparemment, ces fixations là elles sont pas en bon état. Si on bloque dessus, ouais, si on bloque. Ah oui, effectivement. Si on bloque, il est rincé. Du coup, vous avez passé un petit coup de brosse métallique, c'est ça? C'est ça. Ouais. D'accord. Et du dégrippant? Et du dégrippant. Yes. Hop là. Yes. C'est le connard qui a mis ça en plein milieu du feu. Et vous êtes sûr que vous pouvez pas juste enlever les silons blocs? Ah, bon. Il y a une vis là, une vis là, une vis là. Ouais. Et après, ça reste bloqué là. Ah oui, en fait, le truc, c'est qu'il faut aller dans la presse. Ouais. Pour... Ok, d'accord. Pour extraire celui-là. Donc vous déconnectez d'abord tout ce qui est durite. Ouais, durite, il y avait d'autres, on a dit. Après, il y a tout du petit câble, comme ça. Là. Tu fais quoi? Là, j'ai vu, franchement, quand on enlève les là, les câbles, il va descendre. Et après, j'ai réfléchi, on aura peut-être plus accès. Faut déconnecter les trucs qui sont au-dessus là. C'est moi ou c'est siglé BF? Quoi? Ouais. Vous enlevez déjà le liquide de frein? Bah disons qu'on enlève les conduites de frein pour descendre le train arrière et vu que ton liquide il est un peu... Ouais il est fini. Il est grave pourri en fait. Ouais. En profiter pour purger. C'est censé juste être jaune? Bah ouais. En fait c'est juste qu'il a grave de l'humidité et puis il doit être super vieux. Ah tu vas avoir du morceau après. Du coup il y a plein de petits renforts à enlever c'est ça? C'est ça. Il y en a même ici. Oh la vache. Ah ça doit être bien serré là. Ouais, donc là ça sert pas aux coupes, ça sert juste plus fort. Ouais. Alors, par où tu prends et comment ça marche? Tu prends là où t'as de la place et que tu peux mettre ton vérin de fosse et après faut le tenir. Yes. Faut le décrocher tout doucement et puis le descendre doucement. Ouais, devant. Ah, je sais pas, mais c'est ouais, comme ça, faut qu'il passe. Vas-y. Oh, les bâtards. Quoi? Tu sais, je viens de comprendre ce que c'est. Les deux durées que t'as au-dessus, c'est pour refroidir l'huile du pont. Donc, chauffe bien, y'a pas? Bah, non. Mais, et tu vois, qui est-ce qui fait chauffer le pont? Le fait de taper dedans. La preuve que les Japonais roulent comme des malades. Top, sous. Top. C'est bon? Ouais. Vas-y. 2, 3. Mes couilles, allez, vas-y, laisse tomber. Ce genre de train arrière. Ouais,
C'est bon ? Bah le train, difficilement pouvoir mettre dans la presse. Les deux là sûrement, ouais. Mais les deux là c'est impossible. On pourra pas le mettre dans la presse. Ils font comment chez Nissan ? Ils ont des outils spéciaux, c'est ça ? C'est ça. En fait le train tu peux pas le mettre dans la presse en entier. C'est même si tu veux toi, même si tu démontes tout en fait. C'est moi qui commence à avoir de la rouille. Ouais franchement c'est rien ça. Ouais c'est ça. C'est rien ? Et donc pour vous il est en bon état le train là ? Ouais, oui. Ok. Si, bah parce que mon châssis il a pas de rouille, si en plus les trains n'ont pas de rouille et que c'est en bon état, c'est vraiment... Non. J'ai eu la chance de tomber sur Test Race là. De ce que j'ai compris, les Driftworks ils sont... Ouais ils sont légèrement plus gros. Ouais ils sont légèrement plus gros, le matériau fait que c'est un peu flexible, pas ouais. Trop. Si c'est durable, c'est pas juste tu le mets pour de la perf et tu changes au bout de 3 événements quoi. T'as de la graisse de montage ? Ouais t'inquiète, ça je... C'est les plus chiants à faire parce qu'après les autres, tu es obligé de démonter tout ça. Vas-y, ils vont direct. Hein. Ouais, en fait, après, même pas besoin de graisse ? Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est l'axe en fait. Après, il t'écarte tout lui. Ouais. Ah, ouais, ça y va tranquille. Ouais, là, ça y va bien. Tu... Oh putain, mais easy. Marche comment Oula, ouais, tu pompes. Ouais, Tanguy, vas-y, t'es presque. Oh, encore un poil, vas-y, sors. C'est bon ? Non, encore. Ah, là, c'est bon. Moi, content. Moi, faire un truc. Yes ! C'est la façon non officielle. Non officielle, mais ça marche tout aussi bien. Ouais, regarde. Ça existe vraiment les presses spéciales Nissan pour mettre des cylindres blocs. Ouais, pas pour les enlever. Ouais, sûrement, oui. Bon, on a terminé de mettre les cylindres blocs. C'est vraiment stylé. C'est en polyuréthane donc c'est quand même encore flexible. Mais c'est genre parfait pour un daily. C'est un peu plus dur. Mais c'est pas non plus à se taper le cul. C'est tout ce qu'il faut. Ok, rebonjour. On est quelques semaines plus tard. Alors, on a pris très longtemps à recevoir les embrayages. On a commandé sur plusieurs sites différents, mais les embrayages Excedis, c'est victime de son succès, j'imagine. C'est un Excedis 5 patins qui est aussi amorti, de ce que j'ai compris. Ouais, rebonjour d'ailleurs. Donc, pourquoi aussi installer du non-origine alors qu'on aurait tout pu prendre d'origine ? Parce que simplement, les 200 SX ont été conçus dans les années 90 et depuis, on a pu déceler. Les pièces qui sont moins fiables, mettre du renforcé, ça permet de renforcer les points faibles, en fait, tout simplement. C'est comme pour le moteur, à un moment, il faudra que je fasse ça aussi. Il faudra un jour que je le fiabilise, parce qu'il y a quelques points faibles à corriger. Voilà. Donc ce que t'as là, c'est un centreur, c'est ça ? C'est ça. Hop, au centre, pour que le disque soit bien centré par rapport au mécanisme, et après, remonter. Et la butée, c'est ça. Ouais. Et du coup, l'ancienne, elle est là. D'accord, il y a vraiment un clips... Ah, ouais. Ça y est ? Ouais. Nice. T'as ta presse ? Ouais. Allez, y'a la copine. Allez, hop là! Putain, vous avez du monde! Vous avez fait quoi? Bah, Aurel, lui, il a fait son moteur. Moi, la mienne, je finis de remonter. Et après, on ira rouler! Oh, ah. Elle est venue toute seule! Ouais, faut la mettre à l'envers, hein. Mais pour moi, c'est comme ça que ça vient. Ah ouais! Putain, Aurel, t'avais raison. T'étais d'accord, la partie centrale bouge pas et il y a que la partie extérieure. Ouais, ça veut dire que la bague est bien. Voilà, c'est ça. Comme ça. Putain, Aurel, il a déjà mis de la graisse, il est efficace, ce mec. Ça, ça vient derrière la fourchette. Là, t'as une vis, là, t'as une vis. T'as un trou de centreur. Ton truc, il vient comme ça. D'accord. Ça, c'est le truc, on aurait jamais dû remonter le volant moteur. On aurait dû avoir le volant moteur, faire nos repères, tout, monter le volant moteur. Un centreur là. Un centreur là. Oh la vache, j'avais oublié que c'était léger. T'as un qui est à coulisse ? Ouais. Non, à mon avis, c'est le lacage en fait. Ils ont mis du lacage là et c'est ça qui nous empêche. 10. 10. Ouais, bah c'est ça, Aurel. Ils ont une espèce de. Si tu veux, il est peint. D'accord ? Ouais. En fait, rien que la couche de peinture, là, il nous fait chier. Attends, tu sais quoi ? Pas faire le con. Fais le trou là. Fais le trou là. Parce que si après on est baisé et qu'on n'arrive plus. Ah oui, bah dedans, tranquille. Hein. Tu vois ? Tranquille, tranquille. C'est la couche en fait de. Le revêtement qu'ils ont mis dessus. Ouais. Nice. Là c'est bien. Allez hop, c'est bon. Impeccable. Là ça c'est le genre de truc, tu le fais sur la caisse. Ouais. Déjà un, si tu dois percer, t'es jamais droit. Ouais. Et deux, ouais, tu te fais chier. Là arrive la question. Aurel, ouais. Dans quel sens ça se met ? Ouais, c'est logique. Hein. C'est logique. C'est comme ça. Pourquoi ? Bah, sinon là ça va les toucher. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
Ouais, j'en ai putain, déjà t'es vu. Moins con que tu le parles. J'en ai déjà vu des mecs qui montent des trucs comme ça, t'inquiète. Oui, moi aussi j'en ai déjà vu. Puis le mec après il peut plus démarrer, non? Ah, tu peux démarrer, mais ça fait un bruit de bordel. De toute façon, tu peux même pas passer une vitesse. Autant t'as des voitures, des fois c'est trompeur parce que t'as pas le petit déport là. Ouais. Mais bon, t'as toujours un sens sur un embrayage dans tous les cas. Ouais, bon. Tu vas voir, on va le serrer ici, tu vas voir, tes dents elles seront plus rondes comme ça, enfin elles seront plus toutes alignées. Ah ouais? Ton diaphragme, si je dis pas de conneries. Quand tu l'appuies, il vient se pincer. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, bah, ça pince ton disque contre le truc. Et en fait, quand t'appuies là-dessus et que t'as buté, ça libère le disque. En fait, si tu veux, ça va tirer ton disque en arrière. Le seul truc qui tourne avec la boîte, en fait, c'est ton embrayage. Donc tu sers à combien? 33, ouais. Ok. Newton. Ah, parce qu'il est en train de se rapprocher. Ah, ok, oui. Ouais. Ah oui, ça se voit déjà que c'est un peu déformé. C'est ça en fait, ça s'écrase quand tu serres. Ça, c'est en train d'écraser ton embrayage, tout en train de s'écraser. Tu vois, avec ton embrayage, il patine. Et voilà, en fait, ça tourne, ça glisse là en fait. Il y a tout qui D'accord. Alors, ça, c'est l'explication du trop de chaud. Par contre, c'est l'explication de l'embrayage usé. Bah, en fait, ton disque ici, il est tellement fin. Il est plus en contact. Qu'en fait, ton diaphragme avec tes ressorts que tu as à l'intérieur, tu vois, il vient plus assez écraser ton disque. Voilà. Et il arrive plus à faire passer la puissance. Mais ta puissance, d'accord. Elle passe. Et voilà, tu remontes la boîte. Tout est serré ? Ouais. Oh la vache. C'est sec ? Ouais. Ouais, la boîte est con. Elle est collée ? Ouais. Bien. Salut Xavier. Salut. Bah, on se connaît plus longtemps en fait, tu faisais du drift avec nous à Marville. Tu mets quoi dessus? Ma Frasol. D'accord. Dégraissant industriel. Ça ressort tout neuf. T'as juste à attendre ou il faut ouais, quand même frotter? Une dizaine de minutes, puis après un petit coup de jet d'eau pour nettoyer. D'accord. Là ça rend pas mal hein. Ouais. Après t'as des trucs qui restent dessus, c'est des trucs qui sont incrustés depuis longtemps à mon avis. Ouais ouais. Frotte un petit coup, t'as plus rien. Je veux dire de la terre, des cailloux, ouais. Un coup tout neuf. Yes. Regarde la différence par rapport à ça. Ouais ouais, c'est pas mal hein. Donc là ouais, vous rebranchez tout l'axe de transmission en fait. Ça, à mon avis. D'accord. Et tout rattaché donc là. Force un petit coup. Ouais voilà, c'est bon. C'est moi, ils sont tous serrés ? Ouais. Ok. Vous avez vérifié tout le serrage des vis de boîte, ensuite ouais, du... Ouais, vis de boîte, c'est fait. C'est émetteur ou récepteur, ça, du coup ? Ça ? Ouais. Récepteur. Ok. Tu veux un petit truc ? Dis-moi. Quand t'appuies, tu émets la pression. Ouais. Lui, il réceptionne la pression. D'accord, ok. Donc ça, c'est attaché à la ligne. En fait, ouais, ça tient la ligne. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas la ligne qui tient la boîte. Hein. Oui, oui. Donc ça, c'est juste un support pour la ligne, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Avec les lignes d'origine qui sont peut-être probablement très lourdes. Ouais. Vous avez une pompe ? Ouais. Ok, super. Tu penses remettre l'ancienne ? Ah oui, on va remettre celle-là. Elle est pas vieille, tu l'as changée l'autre fois. Oui, on l'a changée en septembre, mais je sais pas si ça se fait, en fait, d'en mettre l'ancienne. De base. Tu peux ? Ah, si, ouais. Ça se fait en garage ? Ouais, ouais, mais le moteur, non, tu faut toujours changer. Mais la butte de bois, tu peux remettre, surtout si elle est pas allée. Allez, ça y va là. Ah, c'est pas mal. Bah ouais. Ça va vite, hein. Ah. T'as déjà fait la moitié, quoi, là. Ouais, presque. Nickel, ça coule, ça y va. Ouais, ok, d'accord. C'est plein, quoi, là. Allez, salut ! C'est la tringlerie là. Ah, putain, elle est bonne. Hein ? Ouais, ouais. D'accord. Ah, c'est là que tu sélectionnes quoi. Voilà. Un peu incliné, j'ai l'impression. Non, non, c'est un cache poussière toi. Quand tu mets la première, forcément il se. Ouais, d'accord. Okay. Ah, là, t'es bien parce qu'on est au point mort. Non, ça passe bien ? Ouais, c'est bien. Ok. Voilà.
Ça y est, tout est remonté. Ouais. Tant que la batterie est enlevée, autant mettre le thermostat, comme ça c'est fait quoi. Il y a de l'eau au niveau du thermostat du coup ? Ouais, plein d'eau. Les deux motos là. Dès que t'enlèves la durée, ça coule. Ouais, ça va couler, je pense. Voilà. Hop. Ça va couler. Je voudrais pas trop en mettre sur la courroie. Ah oui, putain, oui, en effet. Ouais. En tous les cas, on va nettoyer, on la redécraissera. Voilà. Ouais, ouais, c'est du refroidissement, ouais. Non, il est collé, c'est sûr. Genre collé par la chaleur ou... Ouais, ouais, pour tout. S'il a jamais été démonté. GG. Ah, c'est déjà, ça avait peut-être juste ton joint qui est pas bon. Ouais. Tu vois, vu que t'as deux trous. Ouais, j'avais vu ça. Que le diamètre, tu vois, il est bien. On va peut-être s'en servir quand même et puis mettre de la pâte en plus. Voilà. C'est bon. Il y a encore du liquide. Voilà. Ok. Est-ce que tu vois une différence d'état ? Il est ouvert ? Ouais, regarde. Il est bloqué ouvert si tu veux. D'accord, donc c'était bien ça. Il est grippé ouvert. Bon, on commence à arriver en été, ça va aller un peu mieux. Mais regarde, en hiver c'était la merde quoi, je la poussais jamais parce que elle était tout le temps froid. J'ai nettoyé le plan de joint moi. Ah oui on a fait. Le liquide de refroidissement, c'est hyper gras. Ouais. Et ça nettoie bien. Je peux faire une boîte. Voilà. Ah la vache. L'autre droit. Je vais nettoyer le plan de joint là. Ouais. Oui, il est plus simple celui-là. Bah oui, puisqu'il est sorti. Ah ouais. Ouais, là il est bien. Faut qu'il soit partout comme ça. D'accord. Rick, faut essayer safe les enfants, mettez des gants. Ouais, carrément. Aurélien il se fout de ses mains, ouais, mais vous non. Ça va là ? Ouais, il est nickel là, tu vois. Ah, ok. On peut faire un beau joint avec ça. Tac. Ça y va ? Oh. On va remettre la durite quand même, hein. Oui, pour ajouter un peu de liquide de refroidissement si tu veux. Mais on va juste la démarrer quand tu purges. Ouais, c'est vrai. On va voir ce qui manque. Oui. Bon bah tant pis, je te laisse démarrer. Oui. Ouais, déjà je vais presser l'embrayage avant de démarrer. Elle revient la pédale. Ouais. J'ai l'impression que la course est à peine moins longue. C'est normal. Pourtant ça va changer, tu vas voir, ça va être complètement différent. Déjà, t'auras pas de point de patinage. Ouais. Vous êtes prêts ? J'ai toujours l'embrayage enfoncé, si des fois. Ouais, c'est bon. Même un petit coup de gaz, tu vas voir la différence. Ah, peut-être pas. Ça fait. Content ! Content. Ouais, c'est bon là. Teste toutes les vitesses. Ça y va ? Ouais. Et toutes les vitesses ? Ouais, vas-y, jusqu'à la 5. Il y a quand même marqué anti-lock. Ça veut dire quoi ? C'est anti-blocage. Ouais, bah c'est ça. C'est parce qu'en fait, on est en relais. Ah, encore un peu ? Mets-toi à 2005. Vas-y. On va la laisser chauffer bah, pour le thermostat. Là. Déjà, tu laisses ça. Comme tu viens de poser ton joint, il n'est pas encore sec. Ouais. Avec la pression, il va remonter et ça va suivre. C'est quoi, on voit les internes bouger là ? Ouais. Je vais regarder. Non, après, c'est juste voir si ça pète pas trop par là. Ok. Vous avez entendu le petit bruit au début quand on a démarré ? C'est des poussoirs, ça, non ? Ouais, mais ça, c'est normal. La caisse, c'est même pas qu'elle est là. Oui, elle a pas tourné depuis très longtemps. Ouais. Oh là là. Oh là là, mec, je te jure, c'est un vrai gosse. Ouais, ça marche. Ouais. Ah, mais après, il reste. Non, après, ça. Mais non. Ah, mais pris, non, c'est bizarre. Ouais. Bonne nouvelle, les gars, ça chauffe. Ouais, ça chauffe, regardez. Nickel.
Donc le thermostat fonctionne du coup. Non, il va s'ouvrir quand l'aiguille est au milieu en fait, je pense. Quand il est à 90 ouais. quoi. D'accord, ouais. Oh. Si on est 36, ça sent l'essence. Mais là, ça sent juste la merde. Ah ouais ? Bah, il sent. T'as vu ? À mon avis, il fait lui un bon décalaminage. Décalaminage ? Par ça, tu veux dire quoi ? Accélérer ? Non, non, faire un décalaminage à l'hydrogène. C'est quoi ? C'est. Il branche un truc sur son admission. Il t'envoie de l'hydrogène, ça fait toi bloc. D'accord. Je me suis jamais intéressé, mais apparemment ça marche pas mal. Et ta voiture va trouver un peu une seconde jeunesse. Il y a plein de garages qui le font. Je verrai, mais c'est peut-être aussi la ligne qui fait ça, non ? Ouais, peut-être bien crade. C'est ce que c'est, hein, quand t'accélères pas, ça s'encrasse. Oui, c'est vrai, oui. C'est... Mais tu vois, avant de tirer dedans, je préfère quand même faire toute l'étape de fiabilisation. Par exemple, changer toutes les durites de refroidissement. Ouais, elles ont l'air en bon état, mais celles qui sont au niveau de l'admission et en dessous, c'est celles-là qui peuvent sécher, être niquées. Faudra que je fasse toute l'étape de fiabilisation moteur. On est à combien ? 70. Tu veux faire quoi ? Vérifier. Ouais, ok. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal ? Ouais. Ah. Donc pour toi, c'est bon la pâte à joint, elle a... Ah ouais. Ça va de mélanger le liquide ? Ouais, c'est pas grave, c'est juste un apport. C'est bon ? Je sens que je vais caler comme une grosse merde. Ça, c'est sûr et certain. Yes ! C'est vrai ? C'est assez agressif, mais c'est vraiment, enfin c'est plus ce qu'il faut. C'est pas, tu sais, c'est pas, tu vas hyper loin, tu sais. Mais c'est assez proche, mais c'est confortable. Ouais, Nico, il va nous sortir sa science. D'après la température, on va voir ma bite. ça tu l'auras en honte. Il va regarder, tu sais, il va dire, ouais, alors attends, je prends ça, et puis d'un coup, il va voir, tu veux ma bite ? T'as entendu le bruit ou pas ? Ouais. Le ta-ta-ta-ta. J'ai pas entendu. Bah attends, je vais reculer, je vais le refaire. Vous avez entendu ? Non. Non ? Monte. Déjà, le thermostat, il marche. Là, ça raccroche direct, tu sens quand tu lâches. Ouais. Ah ouais, ouais. Bah tu vois, regarde. T'entends ? Ouais. On leur met. T'as entendu ? Ouais, on va aller voir. Vache ! Ah, ça change là ? Ouais. T'entends le. Ouais. Tout. Ah, ouais, c'est léger. Je vais écouter. Ok, vas-y. Vas-y. Ouais, c'est bon, mais là sur le pont. C'est pas normal ? Non, c'est pas normal. Non, mais va comme ça, t'inquiète. Okay. Voilà. Je le savais ! Voilà. Je le savais ! Easy, les réflexes en pile dessus. Vas-y, on relève. Ouais, que ça bouge quand même un peu, mais. Ça bouge, mais c'est pas ça. Ouais. J'ai l'impression que ça vient juste de l'arbre. Ouais, de bruit là. Ouais. De toute façon, Aurel, c'est le fond. Hein. Vous enlevez, vous ne mettez pas en dessous, vous mettez là. Je vais mettre des à-coups comme je faisais. Je crois que la ligne quand même bouge comme un peu, mais. On vérifie le serrage et tout. C'est possible que ça soit des amortisseurs ? Non. Ça, c'est un clac-clac de. De pont ? De pont ou d'arbre de transmission. Mais c'est pas possible qui est pris du jeu. J'aurais eu avant. Ouais, mais vu que là j'ai été morté. Ouais, c'est peut-être ça. Ça ressemble vachement à ça quand même. Bah ouais. Comment ça serait possible que ce soit un arbre de transmission qui fasse ça ? Pas l'arbre, mais c'est plus pas le pont. C'est la pignonnerie que t'as dedans. Ouais, c'est ouais, ah. Quoi, remonte dedans, fais ce que je faisais et je regarde. Ouais, c'est possible que tu ne sortais pas avec l'autre embrayage. C'est un truc qui était moins violent au niveau de la croix. C'était peut-être un peu moins violent et tu le sentais pas. Mais là... Appuie sur les freins à fond, il faudrait vraiment faire comme des tout petits à-coups. Comme ça, voilà. Aurèle ? Oui.
tu te mets en 3, ouais. Tu accélères la voiture, et d'un coup tu freines. Les vrais, hein. Freine. T'arrives pas à bloquer plus fort que ça. Ou au frein à main à la limite, mais il faut vraiment que ça bloque. T'as une idée plus précise de ce que c'est? Pour moi, là, peut-être un jeu de con, mais... Il y a des chances que ça vienne de l'embrayage? C'est vrai que le bruit vient du milieu, voire derrière, de ce que je vois. Ah oui! Salut Nissan! C'est les bruits là, c'est des bruits de fond. Ça vient, on redémonte les roues, Jeff. Ouais. Non, s'il n'y a pas du jeu dans les moyeux, comme ça. Mais... Non, vérifie quand même que c'était silencieux, qu'ils n'ont pas de jeu. Même ouais. S'ils sont là, c'est pour être sûr que c'est. Ouais, il n'y a pas de souci, puis tout est bien en place. Allez, stop! Dans le pont. Ouais. Ouais. Toi, c'est plus amorti comme avant. Ouais. Ouais. C'est tout qui se transfère dans ton pont et là. Plus ça l'a pas pété en faisant ça, mais ouais, ça a montré que ça a montré que c'était un problème qui était là, mais qu'on n'entendait pas jusqu'à présent quoi. Comment on regarde qu'il y a du jeu dans du pont? Ouais, il faut le démonter. Le démonter carrément. Ouais. Ok. Tu sais ce qu'on va faire? Fais de la traille. Oh, vidange. Démonter l'animail. Ouais. T'as déjà fait ça, Tanguy? Je l'ai déjà vidangé une fois et j'avais pas vu de l'animail. Et s'il y a de l'animail, le pont est mort. Hein. Bah c'est pas ça. Je mets très bien ma gueule en dessous, tu vois, mais à chaque fois, je vois, j'essaie d'esquiver les coups. Je vois les pignons, là. Ouais. Ça te dit rien? Forcément le bon, mais c'est juste un bon moment de temps. C'est devant. Mmh. Vous avez découvert un truc? Tu me dis qu'il y a du jeu comme ça, ok? Ouais, mais il y a du non, jeu, mais du jeu en haut, en bas, pour moi, c'est ça. Ouais. Bah, on va déposer le pont. Pas le pont. Yes. Non, ça ira. C'est bon, j'en ai marre de faire des boîtes. C'est déjà la troisième là en un mois. C'est vrai? Ouais. C'est plein de limailles. Non, non. C'est que des bulles d'air, ça. Ça brille, hein? Mais non, ça brille pas. Ça brille. Non, non. C'est. Je te dis, c'est parce qu'on vient de faire tourner le pont, c'est tout. C'est plein de micro bulles, mais. Ouais. Bon, voilà, là, c'est quand même. Bien joué. Quelle force. Ah. Tu tiens? Ouais. Ah, c'est joli les cardans à l'intérieur. Vas-y, c'est bon. C'est pas mal. Jeu ou pas jeu? Tu peux quand même. Hein. C'est la première fois que je vais voir un pont ouvert. Ouais. Ah, c'est la première fois que je vois ça de l'intérieur. Ouais. C'est peut-être juste les roulements. Ah, j'ai vraiment hâte de voir comment c'est constitué. Ouais. Hop. Il est où le pignon? Là, le pignon d'attaque en bas. Ah, ça là. Ouais. Ça a l'air en bon état, non? Ouais, les pignons, ils sont bien. Ça, je pense que le bruit que t'as, c'est peut-être juste les roulements. C'est où les roulements? C'est ça. T'as la pièce que t'as là, en fait le roulement, là et là. Ah d'accord, c'est ça le roulement. Après t'en as encore un autre au fond. Bon du coup, puisqu'on arrive à la fin de semaine, on va se quitter ici. On va continuer à réparer ça et on verra s'il y a peut-être d'autres problèmes. En tout cas, j'ai très hâte de pouvoir conduire la voiture quand elle sera réparée. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite. Sur ce, la bonne soirée à tous. Salut.